Bonjour Pierre-Luc, il paraît que c'est ton anniversaire, alors j'espère que tu me reconnais. C'est moi, Grégory Charles. Il paraît que nous étions frères dans une autre vie. Je suis très content d'être ici pour toi. Alors, tes amis m'ont demandé pour toi, pour ton anniversaire, de t'interpréter une chanson simplement pour toi, mon cher Pierre-Luc. Et tu sais, pour ce numéro, je n'ai dormi que 2 heures. Je suis très très énervé. Wouh! Je suis très très énervé. Wouh! Je suis très très énervé. Wouh! Alors, pour ce numéro, nous avons recueilli toutes tes chansons préférées. Alors, voici un petit chapeau avec toutes tes chansons que tu as chantées dans ton passé qui te représentent beaucoup, Pierre-Luc. Alors, j'en pige une au hasard, comme je le fais dans mes spectacles, bien sûr. Alors, pour toi, Pierre-Luc, oh, c'est une magnifique chanson. Cette chanson me rappelle avec ma maman lorsqu'on a mes cours de piano, mes cours de guitare, mes cours de flûte. Alors, je suis très content de t'interpréter cette chanson. Alors, pour cette chanson, j'ai besoin de ma guitare. Oui, j'ai ma guitare. J'ai besoin de mon gazou. De mon gazou, j'ai mon gazou. Alors, Scott, j'ai besoin d'un fa, j'ai besoin d'un sol, d'un ré, d'un si bémol et d'un mi. Alors, c'est parti. J'espère que nous sommes prêts. On va commencer cette chanson. J'espère que nous sommes prêts. On va commencer cette chanson. La 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 la. J'espère que nous sommes prêts. On va commencer cette chanson. J'espère que nous sommes prêts. On va commencer cette chanson. J'espère que nous sommes prêts. On va commencer cette chanson. Alors, pour toi, Pierre-Luc, voici une chanson. J'espère que tu la reconnais. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Palapalapap, oh Champs-Élysées. Palapalapap. Au soleil, sous la pluie, la météo à minuit, il y a tout ce que vous voulez pour Champs-Élysées. J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec les fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. On n'a même pas pensé à s'embrasser. Champs-Élysées. Palapapapap. Oh, Champs-Élysées. Palapapapap. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées. Hier au soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre à mille accords, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées. Palapapapap. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, vous trouverez tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, allez tout le monde! Oh, Champs-Élysées, palapalapap, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, vous trouverez tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Allez tout le monde, tous ensemble, on chante! Oh Champs-Élysées! Palapalapa! Oh Champs-Élysées! Palapalapa! Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées! Papalapalapa! Palapalapa! Papalapalapalapa! Oh!
Oh, hey, tout le monde, j'aimerais remercier mes choristes. Merci à tous d'avoir participé à cette belle folie. Joyeux anniversaire, Pierre-Luc. On t'aime. T'es un ami, un grand ami. Et nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Bonne soirée à toi, Pierre-Luc. Merci, bon anniversaire. Salut Pierre-Luc! Comme tu peux voir, on s'est peinturé la face et les mains pour toi. C'est pour tes 30 ans, bonne fête Pierre-Luc! Puis on a choisi cette belle chanson-là parce que dans le fond, quand on était à Rimouski ensemble, je sais pas si tu te souviens, mais tu l'as chanté là, à Chess en lavant la vaisselle. En tout cas, c'était à l'honneur de ça. Alors bonne fête Pierre-Luc, puis j'espère qu'on va avoir une belle soirée. Salut Pierre-Luc, je voulais te souhaiter une bonne fête. Malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous autres ce soir. J'avais un conflit d'orage, j'avais quelque chose de plus important. Pierre-Luc, je voulais te dire que malgré tes différences, malgré ton léger retard, ben, je suis toujours considéré comme un de mes meilleurs amis, puis ça va continuer parce que un ami dans la police, ben, tu sais, tu gardes ça. Ça fait que bonne soirée, puis on se voit en temps des fêtes. Salut Pierre-Luc. Hey, salut mon Pierre-Luc. Bonne fête. Bien content de t'avoir comme ami, mon chum. Pis j'ai hâte à mon vidéo, moi. Ça devrait être bon. Donc, salut mon PL. Bonne fête, Lego. Hey Pierre-Luc, j'espère que t'as apprécié notre bel hommage. Comme tu peux voir, après un succès retentissant avec l'hommage à Caroline, je me devais de revenir encore plus fort pour toi, Pierre-Luc. J'espère que t'as ri autant que moi et Raph. On a eu du gros fun sale à faire ça. Je peux pas te rendre compte, mais ça sent vraiment l'esprit d'équipe présentement. C'est confirmé! Ça la marde! J'espère que tu passes une belle soirée, que la surprise a été un effet escompté par ta chère douce Marion. Puis je suis très content d'être là ce soir avec toi. J'ai hâte de te donner cet hommage-là. Puis écoute, bonne fête encore, 30 ans, puis j'espère qu'on va avoir un autre 30 ans à se connaître. Merci mon cher ami, bonne soirée, bonne fête! Hey, salut Pete! Je tiens à dire, je suis vraiment content d'avoir participé à cette vidéo-là pour te rendre hommage pour tes 30 ans. C'est quelque chose. Puis, je voulais absolument que tu saches, mon pire, que je suis heureux et honoré de t'avoir connu, puis d'avoir t'avoir eu comme voisin, puis comme meilleur ami d'enfance. Puis, et encore aujourd'hui, malgré le fait que la distance nous sépare puis qu'on se voit de moins en moins souvent, ben à chaque fois qu'on se voit, ben, c'est comme si c'était hier. Comme si j'étais hier, hein? C'est ça. Mais ça me rappelle, en parlant de ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Excuse-moi, je suis un texte. Puis c'est comme la fois, tu sais, quand on était jeune, puis tu sais, on allait le temps se promener dans le bois, tu sais, avec ton frère. Puis on était des entrepreneurs quand même. Tu sais, on avait l'usine de bois, l'usine de roche. Puis on s'amusait à rire de pieds de féroce. Je me souviens tout une bonne fois, mon père, c'est mon meilleur souvenir d'enfance. C'est quand tout le monde se promenait dans le bois. Puis là, on a comme vu un lit de gueule. Puis, on avait l'instinct de survie, ça fait qu'on est allé le piquer. Puis, comme défaite, ben, on s'est fait piquer. Hein. Fait que, moi, je me souviens, tu sais, on s'était fait piquer, ça l'a fait mal. Moi, dans mon cas, ça a fait mal. Dans ton cas aussi. Ben, la légère différence que toi, ben, tu t'es mis à enfler comme une guimauve, tu es devenu un peu mauve. C'était vraiment drôle. C'était pas sous le coup, mais en y repensant, c'était bien comique. Ça me rappelle aussi d'autres nerveux. Quand on était adolescent, tu sais, je me souviens, à un moment donné, on avait un gros examen de maths. Puis la veille de l'examen, je me souviens, Raph était un peu émotif quand il était secondaire. Une petite tendance à stresser pour rien. Fait que là, il nous dit qu'il stressait, puis là, on s'est mis à stresser nous autres aussi. Fait que j'ai dit, puis, asseoir, pose chez nous, on va étudier. Fait que là, j'arrive chez nous, on étudie à 15 minutes. Là, on se met à déconner, puis à rire d'un peu de Raph qui était un peu folu. Petite tendance à pleurer. Puis, on s'est mis à parler des gros seins à Julie Langlois. Puis, en tout cas, la soirée passe. Puis, en fin de compte, on va avoir étudié peut-être 15-20 minutes. Le lendemain, on fait notre examen. 3 jours plus tard, on a notre note. Alors, je me souviendrai toujours de montrer à Raph nos résultats. On avait eu plus vraiment plus fort que lui. C'était merveilleux. Des bons moments. Mais tout ça pour dire, mon pire, hier, ça fait presque 30 ans qu'on est des bons chums. Puis ce que je souhaite, hein, c'est qu'on soit encore chumés, encore au moins 30 ans, puis qu'on puisse en vivre d'autres beaux moments comme ceux-là. Surtout ceux-là de la guerre, là, qui t'a piqué. Là, des beaux moments. Des beaux moments. Bon, ben bonne fête encore, mon pays. Je te souhaite une belle soirée pour ta fête.
Mon cher ami Pierre-Luc. Pierre-Luc, je vais prendre une petite minute pour te faire un petit hommage. Pierre-Luc, je sais que tu as passé par des périodes de ta vie qui ont été difficiles. Ta couleur de peau, tes verres correcteurs, c'est toutes des choses qui ont fait de toi aujourd'hui une grande personne. Pierre-Luc, tu as maintenant 30 ans. On est vraiment fiers d'être à tes côtés à tous les jours, malgré toutes ces étapes-là. Étant le plus instruit de tes amis, Pierre-Luc, je me permets de te faire un petit cours en accéléré sur vieillir. Vieillir, en réalité, atteindre la trentaine, c'est quelque chose. Puis il y a des signes que je voudrais que tu fasses attention, Pierre-Luc, il y a des signes précurseurs, il y a des choses à éviter, que tu vas peut-être voir dans ton entourage et qui, selon moi, n'est pas nécessairement un signe de bien vieillir. Pierre-Luc, je vais t'inviter à regarder la première chose à éviter. Pierre-Luc, si tu peux te permettre d'éviter la calvitie. La calvitie, c'est un endroit poilu du dessus de la tête ou pour des raisons X, souvent attitrées à, bon, à des gens dans le milieu policier habitant le Bas-Saint-Laurent. C'est une zone de la tête supérieure où tous les cheveux ont tendance à tomber. Pierre-Luc, c'est pas bien. Ça, c'est mal vieillir, Pierre-Luc. On va passer au point numéro 2 pour faire ça rapide. Pierre-Luc, il y a l'obésité, l'embonpoint, la prise de masse, qui parfois, certaines personnes vont avoir tendance à la camoufler par des cicatrices d'appendice et des mauvaises chirurgies. Mais en réalité, écoute, il faut se rendre à l'évidence, Pierre-Luc, il s'agit d'obésité et d'embonpoint. Et on rit de ces facteurs, mais c'est très sérieux, Pierre-Luc. Alors, c'est quelque chose qui sera à éviter pour toi aussi. Pierre-Luc, le troisième point qui est très dangereux, souvent relié aux personnes de couleur de peau noire, il s'agit de des douleurs à l'épaule, qui sont aussi un grand signe de vieillissement, Pierre-Luc. L'arthrose dans l'épaule à éviter, Pierre-Luc, c'est de mal vieillir. Et enfin, le quatrième point, Pierre-Luc, sur une note un petit peu plus positive, j'aurais aimé ça te montrer, je tiens à te montrer ce que c'est que de bien vieillir en approchant la trentaine. Je pense qu'une image vaut mille mots, fait que je vais arrêter ça là. Pierre-Luc, écoute, pour tes 30 ans, comme le bon vin, tu peux bien vieillir. Pierre-Luc, je te lève mon verre. Joyeux anniversaire. Ah oui, je te sens bien là. Ah, oh, yeah, ouais. Ah, oh. Aïe, aïe, aïe. C'est du jazz, la bibi! Oh, fuck! Alors, bonne fête, Pierre-Luc! Comme tu vois, on est très noirs! Champs-Élysées! Alors, bonjour Pierre-Luc! Je suis très content d'être ici aujourd'hui! Alors, c'est ton anniversaire! Oui, on est content, Pierre-Luc! On est content, Pierre-Luc! Ouais! On est content, Pierre-Luc! Ouais! Alors, comme. Ah, ça me manque. Il y a pas assez de pression, de vraiment. Oh! Ah, il fait ça! Ouais, jizz! Jizz! Merci, man. Ah! Oh, ça court partout, hein! T'as des fuites dans ta graine. Tu coules la couille. Ça fout juste la merde sur la tour. À midi ou à minuit, il suffisait de te parler aux Champs-Élysées. Merci technicien. Pa pa la pa la pa 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 la pa la pa pa la pa la pa pa la 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 pa
Pa-pa-la-pa-la-pa-pa-pa-pa.